C'est un match capital ou un match comme tous les autres ? Aujourd'hui, oui, c'est un match capital, on va dire, pour le club et pour l'équipe, sachant qu'il faut à tout prix gagner ce match-là, pouvoir rester en haut du tableau, et remonter dans le tableau et sortir de la zone relégable. C'est compliqué cette saison pour la HBCC, vous avez que des jeunes ou... Mais disons qu'on on est en pleine restructuration et on a plus visé sur des jeunes, sur une vision à long terme, pour former une équipe et un groupe, pour jouer ensemble d'ici 2-3 ans et remonter en National 3. C'est vraiment une année de formation pour souder l'équipe et former des jeunes. Donc l'année prochaine, c'est le maintien, la formation des jeunes. Voilà, cette année, c'est surtout le maintien et on vise le milieu de tableau et après, voir l'année prochaine, la montée ou le haut de tableau. Et voilà. Un dernier message pour vos joueurs et pour l'ensemble des clubs et des bénévoles qui y sont. Parce que c'est compliqué pour cette année, c'est vrai. Mais cette année, c'est un peu compliqué. Les résultats ne suivent pas trop, mais l'équipe est vraiment très impliquée. Et on fait du bon travail. Et je pense que ça va payer sur la seconde partie du championnat. Avec un staff technique qui s'est réaménagé. On a redéfini des postes, et des postes clés. Et les joueurs ont très bien adhéré au projet de club. Alors bon match et on espère qu'on gagnera ce soir. Merci beaucoup. Merci et bon match. Au revoir. Match de bienvenue à Carcassonne. Bonjour. Aujourd'hui c'est un match important pour vous ou un match classique ? Tous les matchs sont importants. Il n'y a pas de match classique. Tous les matchs sont importants pour Montpellier, toujours. Donc là vous êtes la troisième réserve, comme vous m'avez dit, du MHB. Voilà, c'est-à-dire nous sommes l'équipe 1 de l'association. Puisqu'il y a le MHB, il y a l'équipe professionnelle qui est dans une structure professionnelle. Et notre équipe, c'est l'équipe Fagnon de l'association Loi 1901. Voilà. Vous avez une belle équipe ou pas ? On a une belle équipe, on a beaucoup de blessés, beaucoup d'absents. Donc voilà, on va faire le mieux qu'on peut avec les joueurs qu'on a ce soir, comme d'habitude. Ça va être un match compliqué alors pour vous ? Toujours, toujours. C'est toujours très compliqué. Tous les matchs, le pré-national est à un très bon niveau. Donc tous les matchs, aucun match n'est facile à ce niveau-là. Bon, pour Carcassonne quand même, ils jouent leur survie, Carcassonne. C'est compliqué un peu pour eux, c'est une équipe. Oui, c'est le premier match qu'on a fait en début d'année. Ils étaient en sous-nombre à l'époque, mais ils avaient livré une très très bonne... Ils se sont vraiment accrochés tout le long du match. Ils nous ont posé quand même pas mal de problèmes. Je crois que le dernier match qu'ils ont fait contre Thuir, les échos que j'ai eu de l'équipe de Thuir ont été très bons pour Carcassonne, puisque Thuir a eu beaucoup de mal à battre Carcassonne ici, je crois. Oui. Et vous avez un pronostic pour ce match entre Carcassonne et Montpellier ? Franchement, aucun. Nous, on a des blessés, on a eu des problèmes d'entraînement, beaucoup de blessés. J'ai beaucoup d'étudiants qui sont en partiel, donc qui ne peuvent pas s'entraîner normalement. Donc ça crée quand même des soucis au niveau de l'équipe. Donc moi-même, je pars dans l'inconnu. Bon, alors on va nous souhaiter un bon match. Bien sûr. J'espère qu'on va se régaler. Merci beaucoup. Et bon retour à Montpellier. Merci. Je suis en train de faire un peu de l'histoire.
française à la balle. Gauche. Allez les gars, passez. Allez, allez, on va fixer. Allez. Bien Baptiste, parfait. Allez, encore. Allez, allez, encore, encore. Ça va rentrer, les allez, c'est là. Thank you.
bien Benoît, c'est bien Benoît, c'est parfait. Parfait. Bien Benoît, super. Encore, encore, encore les gars, encore. Compliqué, pas de 06.
putain, mais oh, ils font combien de pas pour un marché, putain, mais merde. Combien de pas il faut pour un marché? Putain, mais laisse tomber, 8. Les gars, faut parler, hein. Parlez-vous les gars, j'entends rien. Thank you.
deuxième période, Montpellier contre Carcassonne, 14 à 12. Let's go!
Ça joue là peut-être. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, Joue! Joue!
C'est un match vraiment serré, hein. Il en reste 17 minutes de jeu. Oh, 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 oh
Ouvre. Lemoine, ouvre. Oh, pas de panique.
gars, on se remet de suite en défense. Quatre côtes aussi.